Bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre 2024 et nous avons une excellente nouvelle pour les habitants de Casablanca. Dès lundi prochain, les nouvelles lignes, Casa Tramway T3 et T4 seront officiellement en service, marquant une étape importante dans le développement du réseau de transport de la ville. Selon un communiqué récent de Casa Transport, cette mise en service intervient après une phase de tests intensifs sans voyageurs qui a débuté en mai dernier, suivie d'une période de pré-exploitation. Ces étapes cruciales avaient pour but d'assurer que toutes les conditions de sécurité et de confort soient pleinement optimisées pour les usagers. Les deux nouvelles lignes couvrent un total de 26,5 km avec 39 stations. La ligne T3, d'une longueur de 14 km, relie les quartiers Al-Wada et Salmia jusqu'à Casaport, passant par plusieurs grands boulevards de la ville, tels que 10 mars, Mohamed VI et Moulay Abderrahman. Quant à la ligne T4, elle s'étend sur 12,5 km et dessert notamment la zone industrielle de Moulay Rachid jusqu'au parc de la Ligue arabe, en traversant des artères majeures comme Okba, Force Auxiliaire et Mer Sultane. Avec l'ajout des lignes T3 et T4, le réseau de transport en commun de Casablanca s'étend désormais à 98 km, un triplement impressionnant par rapport à son inauguration en 2012, lorsqu'il couvrait seulement 31 km. Le réseau inclut désormais 151 stations et 12 points de correspondance, offrant aux Casablancais une mobilité accrue à travers toute la ville. Le service de ces nouvelles lignes sera assuré par 24 rames de tramway à leur lancement, avec une fréquence de passage toutes les 10 minutes. À terme, un total de 40 rames Alstom X05, d'une capacité de 600 voyageurs chacune, permettra de réduire cette fréquence à 5 minutes, offrant ainsi un service encore plus efficace et fluide. Avec cette expansion, Casablanca renforce son rôle de pionnier dans la modernisation des infrastructures de transport au Maroc. Casa Transport se félicite de cette avancée, qui vient compléter l'offre déjà disponible avec les lignes T1, T2, ainsi que les lignes de bus à haut niveau de service, BW1 et BW2. Merci d'avoir suivi cette nouvelle sur Projet du Maroc. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner pour ne rien manquer des actualités économiques et des grands projets qui transforment le Maroc.